Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Un vlog vraiment chill, hyper automnal, sans prise de tête. D'ailleurs, j'ai allumé mes petites lumières pour être vraiment dans le mood trop cocooning, le cliché, mais avouez, ça fait du bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Dans ce vlog, je vais vous emmener à travers toute ma semaine, donc finalement ce sera un peu comme un weekly vlog en fait, à travers ma première semaine de vacances, puisque ça y est, alléluia, je suis en vacances, ça fait trop du bien, vraiment j'en avais besoin et c'est trop cool d'être en vacances. Je vais pouvoir un peu me reposer, après j'ai quand même pas mal de boulot donc... Et au fait, je vous ai toujours pas dit quel jour nous sommes, bon je pense que vous en doutez peut-être, mais nous sommes lundi 19, je reviens. C'est ça, je dis pas de conneries, on est bien lundi 19 octobre, premier vrai jour des vacances, puisque vous allez me dire oui, il y avait le week-end et tout, on est en vacances, mais c'est pas pareil, là c'est vraiment un lundi, on se réveille pas, d'ailleurs j'ai une anecdote en fait, parce que j'avais oublié d'enlever l'alarme de mon téléphone, du coup mon réveil a sonné à 6h48 et je n'arrivais plus à dormir, à me rendormir, c'était vraiment pour le premier jour là des vacances... Bah on peut pas dire que j'ai fait une grasse mat, vraiment pas. Mais ouais, demain, objectif, alors l'objectif de vraiment de ouf, faire une grasse mat, voilà, mon objectif. C'est pas mal aussi, non? Avec mon cousin, on était au téléphone, c'était trop bien, ça fait plaisir en fait de s'appeler de temps en temps, surtout que quand on est en cours, bah on a pas trop de temps, vous voyez, pour s'appeler, même avec mes copines qui sont pas forcément dans mon lycée et tout, pour, pendant les cours, genre c'est un peu compliqué de s'appeler, parce qu'on a chacune beaucoup de trucs à faire, mais pendant les vacances, c'est cool, on a plus de temps, donc on en profite pour s'appeler, que ce soit avec mes copines et mes cousins, donc c'est trop chouette. En plus on avait plein de choses à se dire, bah on est resté assez longtemps au téléphone, donc c'était trop cool et voilà, maintenant il faut que j'aille bosser. Ouais, c'est le premier jour des vacances, mais en fait ma prof d'anglais nous a donné un discours en anglais du coup à faire sur le féminisme et je dois le rendre, enfin je dois lui envoyer pour mercredi et nous sommes lundi, donc faut que j'écrive mon discours, faut que je me filme en train de le réciter, en train de le faire et que je lui envoie avant mercredi, voilà j'ai 2 jours, enfin 2 jours et demi, mais mercredi je pourrais rien faire parce que je suis pas chez moi, d'ailleurs vous allez voir ça dans le vlog, donc il faut que je le fasse tout de suite, enfin genre entre aujourd'hui et demain pour qu'il soit prêt. Voilà, c'est super les profs qui donnent des devoirs quand on est en vacances, genre, voilà, c'est cool. Bon, allez, c'est parti, je vous emmène. En fait, je migre juste jusqu'à mon bureau. Oula, un gros plan sur ma tête. Magnifique. Allez, motivation, pas du tout. En plus, faut que j'aille prendre mon ordi pour taper mon discours. C'est parti. Ça commence bien ce vlog qui était censé être chill, relax, vacances et tout. Voilà, on bosse déjà. On bosse. C'est un concept. Non, en vrai, on bosse tout de suite pour mieux se reposer après. C'est ce qu'il faut se dire. Je viens de finir mon goûter.
écouter. Et là, je suis sortie, j'ai enfilé mes baskets et je suis sortie prendre un petit peu l'air. Je suis pas du tout sortie aujourd'hui, donc ça fait du bien de prendre un petit peu l'air. Et puis de marcher, c'est vraiment cool. If I had a chance, I'd take it faster than a heartbeat. If I caught a glance, I'd run to you like nobody was watching. But it's so hard to get to you. Re-coucou, on est mardi aujourd'hui et il est bientôt 10h. Donc il faut que je bosse parce que pour demain je dois finir mon discours et je l'ai toujours pas fini du tout. Il faut que j'envoie la vidéo ce soir en fait parce que demain je suis pas là de la journée. Donc ça va être un petit peu compliqué pour l'envoyer. Donc mon objectif c'est vraiment de le finir pour ce soir et lui envoyer. Comme ça après je me débarrasse et je passe à autre chose. Donc ce matin je vais finir d'écrire mon discours et cet après-midi je vais me filmer en train de le faire. Par contre, est-ce qu'on en parle de ce temps? Il fait tellement moche, vraiment, c'est une catastrophe. Ça me déprime. Mais bon, au moins je suis à la maison, donc ça c'est cool. Je suis pas dehors en train de me les cahier. Je suis bien, au chaud. C'est cool. Bon bah je m'apprête à filmer ma vidéo d'anglais. Il est 18h30, c'est pour ça que j'ai mis mon éclairage parce que là il fait tout noir dans ma chambre. Ça sert d'être youtubeuse, franchement. Ça me permet d'avoir un peu de matériel quoi. Donc c'est cool. J'ai filmé ce matin, mais je suis pas trop satisfaite du résultat, donc je préfère recommencer. Enfin, je pense que je peux mieux faire, donc voilà, je fais une pause et puis je vais recommencer là. Et voilà, c'est parti. Et action. Hello, nous sommes mercredi matin et là je suis en direction de la gare parce que aujourd'hui je vais passer la journée à Paris avec ma maman. Donc on va prendre le train et puis on va passer une bonne journée sur Paris. Je vais vous emmener avec moi. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit? De sortir du resto et franchement c'était super bon, je vous recommande. Ça s'appelait l'abattoir végétal et c'était vraiment très bon. Des plats vegan. Il en existe deux sur Paris, je vous mettrai les adresses en barre d'infos. Et franchement c'était vraiment délicieux. Et maintenant on se dirige à Montmartre. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Too much and Van Gogh might take a while. But thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. Oh my god, baby. Sleepy eyes are closing. En train de se balader et regarder sur quoi on tombe. Ils sont en train de tourner un film, mon rêve. J'ai demandé à un monsieur qui travaillait là-bas sur quel film c'était et il m'a dit que c'était pour une mini-série sur TF1 qui sortira fin 2021 et ça s'appellera Fugueuse si ça vous intéresse. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Trying to do anything.
un petit goûter chez Starbucks et il est déjà l'heure de reprendre le train pour rentrer à la maison. J'ai passé vraiment une superbe journée sur Paris. J'ai adoré l'ambiance qui régnait dans les rues, c'était juste magique. Hello, nouveau jour aujourd'hui, nous sommes jeudi et c'est un jour en mode vraiment très study. Hello, je vous reprends un peu plus tard, vraiment plus tard d'ailleurs. J'ai bossé toute la journée et là il est 21h30, donc je viens de finir de manger et voilà. Et je voulais juste vous reprendre parce que je viens d'apprendre que je pars en vacances demain. Ça s'est fait vraiment la dernière minute mais je suis trop contente. Du coup je pars en vacances une semaine il me semble, ouais à peu près une semaine, en Bretagne avec mes parents, ça va être trop trop cool. Donc ouais je suis vraiment contente qu'on parte, ça va faire du bien, ça va un petit peu changer d'air et tout, c'est cool. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais entamer un nouveau vlog, je vais arrêter celui-ci et puis je vais commencer un nouveau vlog dès demain parce que j'ai envie de vous emmener en vacances avec moi. Donc je pense que le vlog sortira, on aura déjà repris les cours, le vlog prochain. Mais bon, ça vous fera une petite coupure au moment du vlog, quand je serai en vacances, voilà. Ça vous fera un peu voyager avec moi. Donc je vais vous quitter ici pour ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Gros bisous.